Elle rappelle pas? Non. Tu sais, c'est ça. C'est ça. Tu sais ce que je veux dire, là? On prenait un petit verre. T'en rappelles pas? Te rappelles-tu quand on a fait notre soirée dans le sous-sol? Un peu, ouais. Je t'en rappelle un peu. C'est du qui que c'est? T'as déjà pas peur. Hein? C'est qui? Ah, mon Dieu, ils ont arrangé sa nuque parce que je m'étais dit un matin, on va faire ça. Il n'est pas gros, hein? Comme tu savais bien. Hein? T'as pas trop chaud? T'es correct? As-tu été marché? Non. As-tu eu l'après-midi comme bain? Hein? Il va penser qu'il est dans la chaise roulante. De la race. Ah, oui. Un gros bye-bye. Bye à papa. Bonjour, bonne année. Bonne année. Bonjour, Mondrien. Bonjour. Puis, il est bien beau, il est bien beau. Oui, il est beau. Mais, tu vois, mais il y en a une coupe dans le bois. Mais vois-tu, le noir, il y a... Y a-tu une saveur de remplissage qui aime plus qu'un autre? Ben comme les cerises, mais ça. C'est liquide en limite, hein? Il ne prévoit pas, il se salit tout. OK. C'est bon, hein, Mondrien? T'en as fait un crayon. Tu veux te changer de ceinture? Ben non, elle coûte cher les ceintures comme le yaourt, Louise. Ça peut te coûter. Là, je vais passer. Il est dans sa bulle, il est dans sa bulle, il n'y a rien à faire. Fais pas de conversation, il n'en fait pas. C'est pas grave. Mais non, il n'a pas l'air malheureux, il ne souffre pas. Moi, c'est tout ce qui compte. Le reste, que tu veux, pas qu'avec. Hein? Non, il est bon. Ça. Mais il n'est pas bon comme le noir. Sais-tu qui c'est? C'est Louise, ta fille. Ça venait plus souvent, elle me reconnaîtrait, hein? Puis lui, c'est qui? Qui que c'est, lui, là? L'homme, là? Ah, je sais pas. Hein? C'est enfin, Michel puis Louise. Puis moi, ben c'est Cécile, puis je suis ton épouse. Que tu le veuilles pas, je suis encore ton épouse. Bon. On s'est pas séparés, hein? Mm-hmm. Ben non. Ça, même non. Pour la nouvelle année, ça n'a pas changé. Ben non. On ne s'est pas séparés, Mondrien. Mais non, c'est encore Cécile, hein? L'après-midi, pas plus, le matin. Thank you.
parce que j'étais trop vieux. C'est ça. Ah. Puis depuis ce temps-là, je m'occupe de 6 foyers de personnes âgées où je vais célébrer la messe chaque semaine. Après-midi, j'en avais une. Avant-midi, j'en avais une autre. Puis je suis aussi aumônier à l'hôpital Saint-Eustache où je vais célébrer chaque semaine. Puis dans chacun de ces endroits, chaque fois que une personne malade requiert les sacrements, j'y vais. Hein? Alors, ce matin, par exemple, je suis allé à Saint-Eustache. Alors, c'est... Puis en plus, je suis vicaire à Saint-Anne-des-Plaines, où le curé, les lundis et mercredis, est aumônier de la prison. Alors, ces journées-là, chaque fois qu'il y a des funérailles, je le remplace. Des fois, j'en ai 4 en 2 jours. Puis le vendredi, c'est sa journée de congé. Alors, je le remplace aussi pour la messe du soir, puis quand il y a des funérailles dans la journée. Puis vous, c'est quand votre congé? Je suis à table, c'est bien comme question. Je me sens toujours en vacances. On est mort, c'est bien. Oui. Je me sens tellement bien dans ce que je fais que je me sens toujours en vacances. Utile, surtout. Et utile. Ça va? Oui, oui, oui. Alors, ceci étant dit, je vous rappelle que devant la mort, qu'on le veuille ou non, on a toujours plein de sentiments, d'émotions, de la peine, de la tristesse de voir partir un visage connu et aimé. Mais il y a aussi en chacun, chacune de nous, une espérance qui veut se dire et qui veut s'exprimer. Et c'est comme plus fort que nous, ça sort du fond de notre être, cette espérance-là. Puis rappelons-nous, que nous sommes ici pour accompagner Adrien lui-même dans sa grande plongée au cœur de la vie, au cœur du Dieu vivant. Et tous les signes ici présents nous ramènent à cet essentiel-là. Les anges sur les urnes nous rappellent que nous croyons en cette vie du ciel. Le siège pascal nous rappelle que Jésus est mort. Mais il n'a pas empêché la mort, il n'a pas empêché la souffrance, il a accepté l'une de l'autre pour nous dire ça débouche sur la vie. Et finalement, l'eau bénite nous rappelle qu'Adrien, enfin, a été baptisé, symboliquement plongé dans la mort du Christ, mais plongé aussi dans l'espérance de la vie éternelle du Christ. Fais comme d'habitude, cours! Ben ouais, mais c'est parce je te filme! Je te filme pour que tu cours! Bon, maman, grand-maman. Oh, c'est correct, ça. Le camp, c'est Michel. Bon, ça, je l'ai vu. Michel, c'est ton une qui est déjà là, toi? Oui, je suis déjà là en pensée. Ah bon? Puis l'autre, c'est Francine, votre grande-sœur. Elle, ça. Puis là? Oui, non, elle travaillait pour l'armée. Mais une femme de très grande générosité. Oui. Ça, vraiment, là? Je pense que vous êtes tous mal pris par elle. Hein? La générosité. Mais non, la vie va demain, pas la prendre. Faut bien, on n'a pas le choix. C'est bien. On fait que ça. Il n'y a rien de plus beau que ça. Hein? Mais non, mais ça ne donne rien de. On faut bien le prendre. Bien sûr. Vous êtes bien gentil d'être venu. Je croyais que vous étiez trop occupé. On ne l'avait pas averti, Claire. Ah, oh, il l'avait marqué sur le papier. Il ne l'a dit. OK. Il avait dit qu'il l'a marqué, mais il a oublié. Oui, ça arrive ça. C'est correct. Ça se règle tout le temps. On nous le dit, puis ça finit là. Parce qu'après, j'ai une autre célébration, là, puis ils viennent ici aussi après.